souhaite la bienvenue, que tu sois ici au Québec ou ailleurs, que tu regardes en direct ou en replay. Aujourd'hui, notre rencontre sera très spéciale. Tu peux mettre un X dans ton calendrier, il y aura un avant et un après ce rendez-vous du jeudi midi. Je te présente dans quelques minutes qui est avec nous. Entre-temps, je te rappelle que toutes les rencontres du jeudi sont disponibles en rediffusion et je te rappelle également que tu peux toujours en replay commenter, poser tes questions. On va évidemment revenir de façon régulière pour te répondre en fonction des commentaires que tu feras. Donc, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je suis particulièrement touchée parce que je reçois une grande amie et surtout une grande professionnelle, psychothérapeute, coach PNL, une grande expérience au niveau de l'accompagnement des familles, des femmes enceintes et compagnie. Rosa, bonjour et bienvenue. Bonjour Annie, très Oh. heureuse d'être là. Oui, ça fait tellement longtemps que je la souhaite, cette rencontre. Rosa est l'auteur d'un tout nouveau programme de préparation à l'accouchement qui regroupe plusieurs outils dont elle va nous parler, qui sont de l'hypnose, de la méditation, de la visualisation et des outils PNL. Mais avant qu'on embarque là-dedans, j'ai envie de te dire que si présentement tu n'es pas enceinte, reste avec nous quand même. Parce que tout ce dont Rosa va nous parler ce midi, tu vas pouvoir le transposer dans ta vie de maman, de future maman, d'amoureuse, de femme, dans tout ça. Fait que donc, tu es à la bonne place. Rosa, est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose dans ta présentation? Qui es-tu? Dis-nous ça. Alors, ben oui, je pense que je vais commencer par me présenter. Donc, en fait, oui, j'œuvre en tant que psychothérapeute, j'œuvre en tant que coach PNL. Je suis aussi enseignante en programmation neurolinguistique ici au Maroc, en France, et je suis aussi facilitatrice en constellation familiale. Donc, tous ces outils-là sont vraiment des outils que j'ai utilisés pour créer ce programme de Divine Naissance que j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous présenter aujourd'hui. C'est magnifique. Puis écoute, j'ai eu le privilège d'écouter plusieurs audios et de voir plusieurs vidéos. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. C'est extraordinaire. Là, je vous rappelle tout le monde, là, parce que vous êtes déjà plusieurs qui êtes là. Aujourd'hui, Rosa nous fait un immense cadeau. Elle nous offre deux accès pour le coffret Divine Naissance. Et ces accès-là vont être tirés au sort parmi les personnes qui vont commenter, poser des questions et compagnie. C'est là qu'on va prendre les noms. Et ce tirage-là, je vais le faire après notre rencontre. Comme ça, on profite de Rosa complètement, puis après, on va pouvoir participer, je vais pouvoir profiter d'un moment de pause pour pouvoir faire le tirage au sort et je reviendrai avec le nom des gagnants avec une vidéo à l'appui pour vous prouver que tout a été bien legit. Je te rappelle que si tu veux faire un commentaire, tu dois autoriser le logiciel intermédiaire StreamYard pour qu'on puisse voir ton nom. Donc, on voit là, comme là, par exemple, ici, bonjour à vous deux, Facebook user. Bonjour! On ne sait pas qui c'est. Que je t'invite à aller dans les commentaires, dans la description pour pouvoir autoriser le logiciel intermédiaire. Je vous rappelle que vous avez seulement à le faire une seule fois. Puis il y a Martine qui est là. Coucou Martine, très heureuse que tu sois là. Il y a Laurence qui est là aussi. Laurence, j'espère que tu vas bien aussi. Quelqu'un qui nous dit, hein, Facebook user à nouveau, qu'elle va écouter en replay. Parfait. Alors donc, n'hésitez pas à nous faire un coucou. Annick, yeah! Je suis très intéressée par cette approche. Tu vas voir, Annick est la maman, nouvelle maman, jeune bébé. Tu vas voir, ça va transformer ton expérience aussi comme maman. Facebook user à nouveau, coucou. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions par rapport à ce dont on va parler, n'hésitez pas pour les inscrire dans le fil d'actualité. Alors, Rosa, la première question que j'ai envie de te poser, premièrement, puis qui est très importante, c'est tu es débordée, tu as des consultations à la semaine longue, tu es enseignante internationale. Qu'est-ce qui fait que tu as une bulle au cerveau, puis tu t'es dit un matin, OK, je vais trouver du temps pour développer un coffret pour les parents, le coffret Divine Naissance. Bon, alors, un matin. Donc, en fait, bon, c'est sûr que la première chose, c'est
Ça fait quand même un petit temps que j'accompagne des femmes enceintes. Hein, ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose qui me tient vraiment en cœur et qui est vraiment le but de ce programme Divine Naissance, c'est la recherche de contribuer dans le monde d'une façon à ce que les gens soient viennent au monde avec un bagage beaucoup plus intéressant que de venir juste avec le bagage qu'ils vont avoir attrapé durant le moment de leur gestation dans l'utérus. Parce que, vous savez, on le sait de plus en plus maintenant, okay, que d'abord, notre première maison, c'est l'utérus. Hein? Donc, nous arrivons dans l'utérus et dans cette maison-là, tout ce qu'il se passe dans l'environnement, tout ce que maman vit, tout ce qui se passe entre papa et maman, l'enfant le capte. Et puis l'enfant, quand il capte ça, lui, il ne fait pas de distinction. Ah, ça appartient. Ah, ça appartient. Lui, il le capte et il l'intègre à l'intérieur de lui comme si c'était lui. Donc, mon idée à moi, la manière dont je veux contribuer, c'est de faire en sorte que maman, tout au long de sa grossesse, puisse rester présente dans l'affect avec son bébé. Et les outils que j'ai mis en place dans Divine Naissance vont permettre à la maman de nettoyer tout ce qu'elle a besoin de nettoyer, de rester en état de ressources intérieurement pour qu'elle puisse atteindre un objectif de naissance, je vais dire ça, tout en sachant que tout ce qu'elle fait, c'est pas juste bénéfique pour l'enfant, c'est bénéfique pour elle, c'est bénéfique pour le transgénérationnel et ce que ça va donner dans les descendants. Parce qu'on le sait maintenant, hein, ce qui n'est pas réglé en arrière de nous est transmis aux descendants. Alors, vous allez avoir la possibilité dans ce programme de pouvoir faire ce cheminement-là tout au long de la grossesse, de rester dans cet affect qui va permettre à l'enfant de se développer de façon optimale, de commencer sa vie en portant déjà à l'intérieur de ses cellules une sécurité, de la joie, de la sérénité, parce que maman va avoir fait un bout de chemin durant sa grossesse. Bon, maintenant, c'est sûr que vous allez vous donner plus de chances d'atteindre votre objectif en faisant ce programme. Pourquoi ce programme est intéressant par rapport à d'autres? C'est que souvent, les gens veulent faire de l'hypnose, OK? Puis, j'ai rien contre l'hypnose. Je suis moi-même formée en hypnose ericksonienne, donc j'ai vraiment, c'est un très bel outil. Et en même temps, l'inconscient, c'est quand même une part de nous qui nous protège énormément. Et l'inconscient n'ira pas faire que tout se passe d'une certaine façon comme je le veux s'il y a des mémoires qui ont besoin d'être nettoyées, libérées. Donc pour moi, le premier travail, c'est de s'occuper de toutes ces mémoires-là que nous portons, toutes ces mémoires qui sont en souffrance, qui gardent encore des émotions du passé, que ce soit les miennes, que ce soit celle de maman, que ce soit celle de mes ancêtres, l'inconscient ne va pas tout libérer ça comme ça si ça peut nuire à la personne. Parce que l'inconscient, dans l'hypnose, que l'inconscient fait, il fait le travail si ça ne vient pas nuire à la personne. Mais si ça nuit à la personne, l'hypnose ne fera pas le travail. Ça ne sera pas suffisant, en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'a motivée vraiment à faire ce programme Divine Naissance pour les femmes enceintes. Voilà. C'est magnifique. Là, tout le monde, je vois des commentaires. Vous me demandez si je vous vois. On vous voit. Et vous ne semblez pas trouver le lien. Normalement, le lien est dans la description pour autoriser le logiciel intermédiaire. Mais effectivement, le logiciel intermédiaire dont je vous parle a fait des petits changements ces derniers jours. Donc, ça se peut que le lien soit pas là. S'il n'est pas là, ne t'inquiète pas. Nous, on ne voit pas ton nom, mais on va le voir dans les commentaires. Donc, tu vas pouvoir participer au tirage sans souci par rapport à ça. Puis que tout le monde, n'oubliez pas, là, déjà, Rosa vient de nous donner des bonnes pépites. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Même si je suis pas en mesure de voir ton nom, on va quand même pouvoir poser la question à Rosa. Là, Rosa, tu as parlé beaucoup de grossesse. Oui, vas-y. Oui. Ben, j'aimerais rajouter, j'aimerais juste donner un petit aperçu des modules, hein. Ce que vous allez avoir la possibilité de faire, c'est de
travailler au niveau transgénérationnel, hein, parce que comment ça s'est passé, les grossesses, les accouchements dans le transgénérationnel vous influencent aujourd'hui. Je vais vous faire une métaphore très simple, hein. Vous êtes l'arbre et le transgénérationnel, c'est les racines. Donc, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui tient quand même de tout ce qu'il y a en arrière de vous, c'est-à-dire vos racines. Donc, vous allez pouvoir faire un travail au niveau transgénérationnel parce que des fois, il y a des peurs que je porte qui peuvent vous sembler insensées, OK, mais qui viennent de votre transgénérationnel. Donc, vous allez avoir la possibilité de travailler là, de faire des rituels. Vous allez avoir la possibilité aussi, parce qu'à partir du moment où je deviens enceinte, je vais donner naissance, je reconnecte avec ma propre naissance et aussi avec ma relation avec ma mère. Donc, vous allez pouvoir travailler votre relation avec votre mère aussi, et vous allez pouvoir aussi travailler votre propre naissance aussi, faire un travail par rapport à ça. Et jackpot, hein, évidemment, pour moi, c'est une logique que vous allez aussi connecter avec des parts enfants de vous, OK? Et là aussi, vous allez pouvoir faire du travail à ce niveau-là. Donc, je voulais juste résumer un petit peu les outils, l'utilité de faire encore une fois ce programme, parce que vous allez travailler à des niveaux vraiment profonds. Et ça, vous allez le garder toute votre vie. Hein? C'est comme si vous faisiez une thérapie. Vous allez apporter des changements, des transformations qui vont être là pour vous et pour vos descendants. Et c'est ce que j'avais envie aussi d'ajouter, c'est que bon, moi je suis très loin, mes enfants sont grands, tout le monde le sait, vous le savez tous, c'est tout, mais j'ai fait quand même les premiers modules, entre autres celui sur la relation avec ma mère, à quel point ça m'a aidée. J'ai passé la fin de semaine avec maman la fin de semaine passée. C'est une des plus belles fins de semaine que j'ai passées avec elle de toute ma vie. Et on dirait que tu étais, Rosa, mon Dieu, ça va m'en émotionner. Tu étais avec moi pendant cette fin de semaine-là. Je t'entendais. On dirait que les exercices étaient là. Ils me suivaient. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que vous êtes nombreuses en postnatal, après la naissance, à quand même vivre des choses assez difficiles avec vos mamans. Pour toutes sortes de raisons. Puis que je pense que même si tu nous écoutes présentement et que tu n'as pas l'intention de devenir enceinte très rapidement, c'est un cadeau quand même à t'offrir, puis à offrir à ton bébé de nettoyer ces espaces-là, ces pelures d'oignons-là, pour pouvoir t'aider à être une maman la plus disponible possible au-delà de l'accouchement. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Tout à fait, Annie. C'est exactement ça. On peut faire le travail même si on n'est pas encore enceinte, tu sais, parce que je peux juste m'imaginer, de devenir maman. Et puis là, le fait même de se l'imaginer va émerger des parts de nous, hein, parce que ce n'est pas de l'ésotérisme. Il y a bel et bien des parts de nous qui se sont créées dans le passé, et l'inconscient fait un lien. Ah tiens, naissance, qu'est-ce que j'ai par rapport à naissance? Devenir mère, qu'est-ce que j'ai moi dans ma bibliothèque par rapport à devenir mère? Ou ma relation avec maman? Ou ma naissance, ça n'a pas été le fun? Ou blablabla, blablabla. Oui. Et ça, par rapport à réécrire ta naissance, d'ailleurs, je vole un punch, là, je ne sais pas si Rosa, t'aimerais mieux que j'en parle pas, mais il y a un cahier d'accompagnement d'exercices extraordinaire qui est d'une beauté divine, on va se le dire, avec des dessins extraordinaires. Merci pour ça. Ça aussi, je trouve qu'au niveau de l'accompagnement, ça fait vraiment une différence avec des questions auxquelles Rosa nous invite à répondre en lien avec les vidéos dans lesquelles elle nous explique les concepts qui sont jumelés à des audios, des hypnoses, des visualisations, des méditations, des outils PNL, des exercices PNL en audio. Et donc, ce trio-là, le cahier d'exercices que tu as fait, jumelé avec tes vidéos d'explication et jumelé avec les audios qu'on peut écouter autant de fois qu'on a besoin d'écouter pour pouvoir intégrer l'apprentissage. Oui. Écoute, c'est du génie et ça n'existe pas, la gang. Vous ne trouverez pas ce que Rosa a conçu, là. Cherchez, vous ne trouverez pas ce genre d'outil-là. Ça n'existe pas. Quelque chose d'aussi complet, concret, quelque chose qui a été pensé par quelqu'un qui a autant d'outils, parce que
on va se le dire, là, Rosa, tu es très, tu as fait énormément de formations. Tu es très habile pour jongler avec toutes ces connaissances-là, que c'est très, très précieux. Il y a Julia qui nous demande, est-ce que c'est similaire à la biologie totale? Ah, ok. Je ne dirais pas que c'est biologie totale le terme. Je parlerais du progéssence et je parlerais de épigénétique, transgénérationnelle. Parce que biologie totale, c'est en lien avec la santé, hein? Puis moi, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est le transgénérationnel, c'est le relationnel. Voilà. Parfait. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond tout à fait. Et on a ici quelqu'un qui nous demande, est-ce que c'est pertinent si on a déjà accouché et qu'on n'a pas l'intention d'avoir d'autres enfants? Oui, tout à fait, tout Oui. à fait. Il n'est jamais trop tard de faire le programme de divine naissance. Jamais. Tout à Et oublie pas, là, je ne sais pas, parce que tu es Facebook user, que je ne sais pas à qui je m'adresse, mais oublie pas que tout ce qu'on a comme croyance, tout ce qu'on a comme valise qui alourdit nos croyances, qui alourdit notre fonctionnement, on va les transférer en partie à nos enfants. Et c'est Oh. ça qu'on ne veut pas. On veut que la valise que tu vas transférer à ton fils, à ta fille, soit la plus légère possible. Et pour ça, tu dois élaguer, tu dois travailler pour que finalement, il puisse avoir la chance d'avoir une vie plus heureuse encore que la tienne, même si la tienne est peut-être extraordinaire, mais il y a moyen encore de bonifier tout ça. Ça, au fond, venir au monde avec une valise beaucoup plus intéressante que le bagage transgénérationnel. Et aussi que les peurs, les inquiétudes de papa, maman, il n'a pas besoin de ça, lui. Lui, il a besoin de venir et puis, waouh, tu sais, que la vie soit le fun à vivre et non pas avec déjà une lourdeur au départ. Ouais. Et oui, puis comme je vous disais tantôt, moi j'ai fait ce travail-là dans la dernière semaine. Là, Rosa m'a donné accès à ses audios puis à ses vidéos pour que je puisse expérimenter. Écoutez, moi je suis grand-maman, là, parce que j'aurai pas d'enfant demain matin. Puis je vous dirais que ça, pour moi, présentement, ça m'accompagne chaque jour, ce que j'ai entendu. Puis souvent, comme je disais tantôt, Rosa, je t'entends dans ma tête. Il y a vraiment quelque chose qui s'est inscrit à l'intérieur de moi. C'est assez extraordinaire. Puis le cahier nous permet, des fois ça pop, puis là, ça nous permet de retourner dans le cahier puis de noter parce qu'il y a une intégration, je sais pas comment t'expliquer ça, tu vas l'expliquer mieux que moi, Ouais. qui s'installe. Oui, en fait, le cahier, pour moi, c'était important parce que ce que je voulais surtout, c'est que vous fassiez une introspection de tout ce que vous apprenez en faisant l'exercice. Ouais. Les exercices, les rituels, parce qu'il y a des rituels à l'intérieur que je vous demande de faire aussi. Alors, quand vous faites de l'écriture, vous intégrez parce que l'écriture, c'est du kinesthésique. Hein, tout ce que nous apprenons, hein, nous l'apprenons à travers notre visuel, notre auditif, à travers tous nos sens. Donc, quand vous écrivez, vous intégrez beaucoup plus rapidement tous les apprentissages et à partir de là, notre inconscient, lui, va faire les modifications qu'il a besoin de faire en lien avec les apprentissages que vous allez avoir faits. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis tu sais, je regardais le cahier puis je me disais à quel point si je remplissais ça pendant ma grossesse, je garderais ce cahier-là et mes réponses précieusement. À quel point ça pourrait être éventuellement peut-être une bonne source de discussion avec mes enfants dans quelques années si je vois qu'ils rencontrent des défis qui sont en lien, par exemple, avec ça. Il y a Laurence qui nous demande, très bonne question, est-ce que le papa peut faire les exercices? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé, Rosa? Bien sûr. Évidemment, quand papa dit « Ah, oh, je vais être papa », lui aussi va être connecté avec sa propre naissance, avec la relation qu'il a avec son père. Donc, lui aussi peut faire… Bon, il y a des exercices qu'il ne fera pas, OK, mais il y en a beaucoup qu'il va pouvoir faire lui aussi tout au long avec maman, tout au long de la grossesse. Oui, puis Rosa va travailler très fort là, dans les prochains mois pour développer aussi des outils pour les couples.
Parce qu'on le sait que pendant votre grossesse, en postnatal, les outils de communication sont hyper intéressants, hyper importants parce qu'on est dans une période qui est quand même assez sensible, puis que donc on va pouvoir ajouter ça. Donc, il y a Martine qui dit, est-ce que les outils peuvent être intéressants pour quelqu'un qui est stressé de nature? Alors, j'arrive pas à faire afficher le commentaire, probablement que le réseau là où je suis est un peu limite, mais oui, sans aucun doute, Là Martine. aussi, ça a été pensé. Alors oui, Martine, il y a des outils aussi pour les personnes stressées de nature. Il y a vraiment un petit volet là-dessus, là, pour travailler le stress, les anxiétés. Des outils, évidemment, je voudrais juste préciser que les outils, si vous ne les pratiquez pas, hein, c'est une discipline. Hein, si vous, évidemment, si vous ne les pratiquez pas, c'est pas parce que vous le faites une fois que boum. Hein, mais vous avez des outils, même si vous êtes quelqu'un de très stressé. Définitivement, ça a été pensé. Ouais, puis j'ai beaucoup aimé le dernier parce que dans le fond, t'as mis tout le programme et t'as enregistré un dernier module qui est un module avec que tu as appelé. Oups, on vient de perdre a lâché, en attendant qu'elle revienne nous rejoindre. Dans le fond, le dernier module, c'est un module dans lequel il y a des outils qui sont rapides bonus. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que oui, ça arrive parfois que on n'a pas le temps nécessairement de s'installer puis de faire une hypnose de 20 minutes par rapport à quelque chose qu'on veut travailler parce que là, je suis déclenchée puis que j'ai quelque chose à faire puis il faut que ça aille vite. Fait que donc, ce dernier module-là, j'ai trouvé ça très pertinent que tu l'installes parce que c'est des outils qui sont faciles, qui sont rapides et qui peuvent, dans des moments où je suis en déséquilibre puis j'ai besoin d'accéder à mes ressources, qui peuvent m'aider rapidement. Que j'ai C'est trouvé que ça avait ça. été. Vous avez une trousse d'urgence, on l'a appelée comme ça, une trousse d'urgence dans les moments où vous avez vraiment besoin de revenir rapidement dans votre état de ressources. Ouais. Et puis, oh, il y a d'autres questions, on y revient, mais avant, je vais vous raconter une anecdote. Rosa m'a demandé pour le coffret Divine Naissance d'écrire une visualisation de l'accouchement pour que tu puisses visualiser que tu es en train de donner naissance et que tu puisses vivre cette expérience-là de façon la plus réaliste possible pour t'aider à apprivoiser, à avertir ton inconscient que tout est beau, que tout est normal et compagnie. Que c'est une belle visualisation extraordinaire qui est quand même assez longue parce qu'on vit toutes les étapes. C'est très drôle parce que Rosa, tu as envie de raconter. J'ai vraiment accouché. Je peux vous le dire. C'est vraiment étape par étape et vous allez vraiment le vivre parce que si moi je l'ai vécu, bon, je suis mère de deux enfants là, donc je sais ce que c'est, mais c'est vraiment très très bien écrit, très très bien. Annie a fait une job incroyable, mais je peux vous dire que Annie rit encore parce que c'était comme si j'avais accouché au moment où je l'ai enregistré. C'est vraiment spécial parce qu'il y avait vraiment quelque chose de cette nature-là qui était présent alors que, bon, je dis Rosa, on est dans les mêmes âges, là, elle est plus, t'es plus enceinte, tu ne seras plus jamais, hein, c'est passé, c'est cette Jamais. étape-là. Non. Mais c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que juste pour le petit coucou par rapport à ça, autant Rosa que moi, on a vécu des beaux accouchements, des accouchements qui étaient physiologiques, puis qu'on a cette référence-là à l'intérieur de nous. Ce qui, je pense, est encore intéressant, encore plus que Rosa ait donné, offert toutes ses connaissances, mais en plus en ayant une expérience personnelle en lien avec ça. Alors là, une question très intéressante, puis je ne connais pas la réponse. Est-ce que le travail se fait uniquement avec votre mère ou est-ce qu'on pourrait faire certains travaux avec le père? Si par exemple, c'est avec mon père qu'il y a du travail à faire. Alors, OK. À mon avis, il y en a avec les deux, là. dis-moi. Mais oui, vous pouvez transposer mère à père, tout à fait, tout à fait. Profitez-en pour faire le cheminement avec vos parents. Parce que le but de faire ce cheminement-là, c'est d'être en paix avec nos parents. Parce que quand je suis en paix avec mes parents, en tant que femme, je suis en paix avec la mère en moi. Je vais avoir moins de doutes tant qu'à mon rôle. Et avec mon père, ben évidemment, c'est toujours le fun aussi d'être en paix avec son père, surtout quand on est en relation amoureuse, hein, ou pour le futur amoureux. Donc oui, profitez-en. Et puis, parce que tout ce que vous portez, que vous transformez en vous, c'est de l'héritage que vous donnez à vos enfants.
Donc, faites-le. Oui. Oui, puis dans le cahier d'exercice, c'est vrai que tu as mis la plupart des exercices, tu les as mis comme si j'étais la maman qui était enceinte, mais il y a souvent des petits encarts que tu as mis pour dire cet exercice-là, le père, vous pouvez le faire comme ci, comme ça. Mais cela étant dit, c'est vrai que chacun des exercices, je pourrais très bien décider de le faire avec le papa. Puis oubliez pas que vous pouvez prendre un cahier à part, puis rajouter des pages, puis écrire plus. Ça, c'est pas Rosa qui va me contredire là-dessus. Jamais je vais contredire d'écrire. C'est clair. Puis il y a Nancy qui dit c'est pas toujours évident pour le couple. On ne vit pas la naissance de la même façon, ni le quatrième trimestre. Alors, tu as raison. Et puis on va revenir. Ben, je dis on, là, mais c'est Rosa qui fait le travail. Mais aussitôt que Rosa va avoir déployé cet outil-là, parce que moi, je le sais, là, je sais à quel point elle est formidable dans ce genre de travail-là, aussi avec les couples. Aussitôt que ça va être mis en place, je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Je serai intéressée par les formations pour les couples, là, je comprends. Alors, il y a Nancy qui dit, doit-on avoir fait tous les autres modules pour ce module express? C'est une très bonne question. Est-ce que je pourrais avoir coffret, puis dire, OK, là, j'ai pas eu le temps encore de commencer mon coffret, mais j'ai besoin d'être en état de ressources rapidement. Je vais tout de suite aller chercher un outil, piger un outil dans la trousse de secours, même si j'ai pas commencé le coffret. Oui, tout à fait. On peut passer directement. En fait, il y a deux coffrets à ce moment-là. Il y a la trousse d'urgence, puis il y a une autre trousse d'outils, OK, que je peux utiliser aussi rapidement sans avoir fait le transgénérationnel, la relation mère-fille, enfin, vous pouvez facilement, sans problème. Oui. Puis c'est quelque chose, je pense, tu sais, quand on est jeune, là, puis là, je ne sais pas quelle est votre moyenne d'âge, mais quand on est jeune, on se dit, oh, je vais aller chez mon thérapeute, puis dans une couple d'années, si je m'investis, ça va être réglé, puis je vais faire du travail sur moi, puis ça va être dossier réglé. Puis plus on avance en âge, plus on se rend compte que c'est des pelures d'oignons. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Oui. C'est comme c'est un processus qui continue, que donc tu vas toujours pouvoir utiliser les outils pour peaufiner, transformer, continuer. Et puis les défis avec nos enfants, là, c'est pour toujours, là. Encore maintenant, Rosa, des grands, j'ai des grands aussi. Quand on travaille sur soi, automatiquement, on a un impact sur eux. Ben oui, directement. C'est ça qui est fascinant dans la relation parent-enfant, cette espèce de communication invisible. Hein? Le parent fait un changement et boum, le message s'en va chez les descendants. Hein? La preuve, c'est que tout ce qui s'est passé en arrière de nous et qui n'a pas été traité, toutes ces personnes qui sont passées de l'autre côté sans s'être libérées de leurs souffrances, toutes ces souffrances-là sont restées dans l'inconscient familial. Et sont transmis, hein, il y a un descendant qui va avoir, moi je dis toujours, l'honneur de pouvoir régler cette souffrance-là. Voilà. Donc, non, c'est vraiment, tant qu'à moi, c'est sûr, moi je suis une passionnée je suis une passionnée de me découvrir toujours un petit peu plus et de ce qui s'est passé en arrière de moi et de ce que je vais léguer à mes descendants. Donc, pour moi, c'est un travail que je trouve extraordinaire à faire. Et j'espère que vous allez avoir autant de joie à le faire, même s'il y a des moments qui vous semblent plus difficiles. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de ce que ça procure à l'intérieur. Absolument. Il y a Il Marie-Lie. va être transféré à votre enfant. Oui, absolument. Et ça, pour moi, c'est une grande motivation. Travailler pour soi, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. De penser qu'en plus, ça va se multiplier sur mes enfants, sur les générations futures, wow. Il y a Marie-Lie qui dit, c'est complémentaire au spasme endocrinien de transgénérationnel qu'on adresse en ostéopathie ainsi qu'à la spirale de naissance. Absolument, tout à fait. En ostéo, on travaille beaucoup le travail au corps, mais effectivement, l'un et l'autre sont amalgamés. D'ailleurs, on voit hein, dans certains cas de grossesse ou postnatale que le corps et l'inconscient vont danser ensemble. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il y a Nancy qui nous demande, pourrait-on transposer les questions en lien avec nos enfants à la place de la relation avec notre mère, par exemple?
transposer des questions en lien avec nos enfants? Ouais, je pense que non, hein. Est-ce que c'est un cahier qu'on pourrait utiliser pour travailler la relation que j'ai avec mes enfants plutôt qu'avec mes parents? Ben, en fait, moi, la façon dont c'est fait, c'est que en travaillant ma relation avec mes parents, parce que regardez, le modèle de parents que vous portez en dedans de vous, hein, c'est le modèle de vos parents. Alors, on va reproduire nos parents ou on va tenter de faire à l'inverse. Mais moi, j'ai pour dire que si vous dites je ne serai pas comme papa ou maman, je peux vous dire une chose, c'est que c'est déjà trop tard. Il y a déjà une part de vous qui a décidé qu'elle allait aller chercher les pires aspects de papa et de maman pour lui montrer qu'elle l'aime. Bon, donc, le travail que vous faites avec vos parents va changer le parent en vous. Et c'est vous qui allez, en ayant changé votre relation avec vos parents, vous allez avoir une relation différente avec vos enfants parce que vos enfants ne sont que le déclencheur, OK, de ce que vous portez comme relation avec vos parents. Nous avons une responsabilité de cheminer. Et non pas de pas changer nos enfants. Souvent, les parents portent la culpabilité. Non, les enfants n'ont pas besoin que vous vous sentiez coupable. Les enfants ont besoin que vous soyez des parents responsables qui font du cheminement, qui travaillent leur enfant intérieur, ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Bon, je vais m'arrêter là parce que je peux aller loin par rapport à ça, mais j'espère que ça a répondu à la question. Bien, je pense que ça a répondu à la question et pour moi, ça fait vraiment du sens et ça nous donne des outils justement pour éviter de tomber dans la culpabilité. Parce que quand tu es dans la culpabilité puis que tu es en train de patauger là-dedans, tu ne fais rien d'autre. Que pendant que tu te sens coupable, ton enfant, il reste dans la situation dans laquelle vous êtes empiétrés tous les deux. Que je trouve ça extraordinaire et ça m'apparaît encore plus important que pour celles qui ont la chance de pouvoir travailler ce programme-là le plus tôt possible. Hein. Si tu écoutes même en replay et tu es en début de grossesse, ben go, 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 parce que plus tu vas faire du travail à l'avance, il n'est jamais trop tard, on s'entend. Mais si tu as la chance de faire ce travail-là le plus tôt possible, ben, tant mieux pour toi et tant mieux pour tes enfants. Parce que ça prend du temps, hein, Rosa, de transformer ça. Je peux pas dire, OK, je vais prendre comme une semaine et demie, là, faire des exercices, puis ça va tout transformer mes croyances et tout mon inconscient des 33 dernières années. Ah, j'aurais bien voulu que ce soit ça, mais Je ferais faillite, c'était ça. ceci étant dit, le travail se fait. De toute façon, notre cerveau ne pourrait pas changer les choses de cette façon-là aussi. Tu sais, ça prend un temps d'intégration et aussi, il faut que ce soit écologique, ce travail-là. Donc, à force de refaire les exercices, l'inconscient, lui, continue de faire ses apprentissages, va placer les choses. C'est un petit peu comme, vous savez, c'est comme si j'allais acheter un meuble, puis que j'amène le meuble à la maison, et puis là, il faut que je réalise que, oh là là, mais j'avais pas pensé qu'il faut réorganiser mon espace pour installer ce meuble-là. Alors, tous les apprentissages que vous allez faire, votre inconscient va faire ce travail-là de réorganisation. Moi, ce que je vous demande, c'est écrivez les apprentissages, faites de l'introspection. Soyez toujours à l'affût de remarquer qu'est-ce qui est différent, hein, par la suite quand vous faites vos exercices. Qu'est-ce qui est différent quand vous faites les audios? Et ça, c'est chaque fois le petit miracle qui va surgir de la petite différence. Ne voyez pas la grosse chose du jour au lendemain, mais les petites différences. Les petites différences de comment vous vous sentez, comment vous agissez, comment vous réagissez. Voilà, c'est ça le miracle. C'est merveilleux. Lui qui dit travailler sur soi est le meilleur apprentissage et le meilleur exemple que l'on peut transmettre à nos enfants. Ça résume bien tout ce que Rosa vient de dire. Est-ce que ce serait ordinaire, extraordinaire de faire avec sa maman aussi que notre maman le fasse en même temps? Oui, avec sa mère. Oui. Hein? Avec sa mère. Parce que maman agit avec moi, OK, en fonction de sa relation avec sa mère. Donc, ce qui est bien, c'est que moi, je le fasse par rapport à maman et maman le fasse par rapport à sa maman. D'ailleurs, il y a dans une des méditations que je vous fais faire, il y a ce travail-là de mère en fille, qui est vraiment un travail extraordinaire, là, mais ça, je vous laisse découvrir, là. Vraiment extraordinaire. Mais si vous voulez le faire concrètement, alors maman,
prend l'exercice du cahier et elle le fait avec sa maman. Ça accélère le travail parce que ce qu'elle transforme, vous allez en bénéficier. Ce que vous bénéficiez du travail que vous faites, votre enfant va en bénéficier. Et voilà. Oui, écoute, c'est merveilleux, c'est vraiment, écoute, si y en a certains d'entre vous qui ont une maman qui a envie de faire ce processus-là, ce serait vraiment extraordinaire. Mais je Laurence? voudrais préciser quelque chose, Annie. Oui, Donne-moi une seconde, je voudrais, avant que je ne l'oublie. Pourquoi tout ça, ça marche, tous les audios, les visualisations que vous allez faire? Parce que notre inconscient ne fait aucune distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. OK, la preuve, si vous écoutez un film qui est triste, vous allez vous mettre à pleurer alors que vous savez que c'est un film. C'est parce que votre cerveau, il ne fait pas de distinction. Lui, pour lui, tout ça, c'est la réelle réalité. Ce que vous voyez, ce que vous visualisez, ce que vous vous dites à l'intérieur de vous, c'est toujours la réelle réalité pour vous. Et tous ces outils-là vont vous permettre d'envoyer une nouvelle information à votre inconscient qui, lui, après ça, va faire wow, parce que notre cerveau reptilien, il aime toujours mieux ce qui est plus plaisant que ce qui est souffrant. Alors, il va faire ouh, ça, j'achète. Tout ça, et c'est pour ça que ça marche, tout simplement. et là, il va réorganiser les meubles à l'intérieur de nous. Exactement. Là, il réorganise. Alors, ça se peut que des fois, vous allez jeter comment je vais dire, vous allez jeter les œufs, le jaune d'œuf et le blanc d'œuf au lieu des coquilles, OK? Parce que votre cerveau est en train de réorganiser pendant ce temps-là. Vous allez avoir des moments, hein? Déjà en tant que femme enceinte, on a tendance à faire ça, mais ça se peut que par moment, vous allez oublier ou vous avez mis mot-clé. C'est parce que l'inconscient est en train de réorganiser. Oui, tout ça, c'est magnifique. Je vous rappelle tout le monde que Rosa nous offre deux accès à son coffret. Si vous avez envie de participer au concours, vous devez commenter, poser une question ou commenter dans les commentaires. C'est parmi les gens qui vont avoir commenté qu'on va faire le tirage après la rencontre et on vous annoncera là, dans le courant de la journée les gagnants. Rosa, à partir de lundi, la pré-vente du coffret va être disponible. Tu as décidé d'offrir en exclusivité, en priorité aux familles au Paléo et je t'en remercie la possibilité d'acheter à 25 % de rabais pour les 25 premières familles qui vont acheter. Et là, je te le dis, dans les premiers jours, j'ai demandé à Rosa de garder ça entre nous. Fait que c'est lundi matin que la prévente va commencer pour 10 jours et c'est seulement les 25 premières familles qui vont avoir accès aux 25 %. Que donc, lundi, je vais t'envoyer un petit coucou, là. Je vais tester que le système à Rosa fonctionne tout bien, là. Je vais t'envoyer un coucou en disant go, 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 c'est le temps. Les 25 premières familles pourront avoir accès à 25 % de rabais. Que donc, oui, tout à fait, Nancy demande, est-ce que c'est ici qu'il faut commenter? C'est exactement ici, c'est en plein là. T'es exactement au bon endroit, Nancy, t'es correct, c'est parfait. Il y a Nadine qui dit merci beaucoup, Rosa. Ah, quand je vous disais qu'elle était intéressante, là, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut le réserver tout de suite? Alors, je pense que Rosa, c'est pas prêt encore. Hein? On peut pas tout de suite, malheureusement, réserver. La technologie étant ce qu'elle est, c'est pas prêt présentement, mais aussitôt que ça va de l'être, si jamais c'est prêt avant lundi, puis que Rosa me dit go, 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 je vous ferai parvenir le coucou. Je vais d'abord l'annoncer ici dans le groupe, que peut-être régler vos paramètres là, du groupe comme étant les prioritaires pour que puisse voir ça. Je trouve ça difficile de commenter rapidement sur un sujet si vaste et si profond, mais je suis toute ouïe et fascinée. Ah, oh, mon Dieu, ton commentaire me touche vraiment beaucoup, vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a Martine qui dit très intéressant, ce petit live a piqué ma curiosité. Je trouve que le programme que vous offrez est très intéressant. Merci beaucoup pour votre beau travail. Merci beaucoup à toi pour ton beau commentaire. Puis, c'est pas encore arrangé, mais dans ma vision, j'aimerais que Rosa revienne régulièrement dans le groupe pour nous parler comme elle vient de le faire aujourd'hui. Je t'ai dit en début de rencontre qu'elle était fascinante à écouter. Je pense que vous êtes probablement toutes d'accord avec ça actuellement. Puis que donc, si vous avez envie, si vous faites des exercices puis que vous avez des questions, bien, je vais voir avec Rosa si elle est d'accord pour revenir de temps en temps. Puis à ce moment-là, vous pourrez, si vous en avez besoin, lui poser des questions. Bon, évidemment, Rosa offre des consultations en privé, mais elle est difficile à voir, son agenda est. Mais si jamais un jour tu as envie de la consulter et que tu n'es pas pressé,
C'est sûr que c'est toujours aussi une option qui est possible. Donc, il y a Nancy qui dit, oui, on aimerait bien la revoir. C'est parfait. J'en doute même pas. Avant de terminer, Rosa, peux-tu me dire, puis peut-être que je m'en souviendrai si j'y pense, l'ordre des modules, juste comme pour se faire une tête. Donc, le premier, c'est je fais mon ménage au niveau transgénérationnel Oui, avec mes ancêtres. avec mes ancêtres. Oui. Après, je vais faire le travail avec ma maman. Relation avec la maman, oui. Oui, Ma exactement. relation avec la maman, c'est ça, ou avec papa, Ou avec papa, ou avec les deux. ou avec les deux. Il y en a peut-être qui sont gâtés. On y est. Après, je réécris mon histoire de naissance. Oui, je réécris mon histoire de naissance. Ouais. Et très, très important, même si tu n'as pas l'intention de donner naissance à nouveau, parce que moi, Oui. j'ai souvent observé que la façon dont on a vécu notre naissance a un impact sur notre façon d'interagir dans plein de situations. Puis que même si tu n'as pas l'intention de donner naissance à nouveau, je crois, moi, il faut que tu travailles ça pour pouvoir désengrammer les patterns que tu as peut-être acquis lors de ta naissance, qui sont des patterns que tu n'aimes peut-être pas beaucoup dans ta vie. Donc, troisième, quatrième module que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est relation avec l'enfant intérieur. Oui, avec l'enfant intérieur, vous allez avoir un outil pour pouvoir travailler avec les parties de vous qui émergent, qu'on appellerait l'ego blessé ou qu'on peut appeler aussi des sous-personnalités qui se sont créées, dans l'enfance et qui sont devenues des parts de nous toutes totalement autonomes. Et qui font que même si vous voulez changer quelque chose, vous n'arrivez pas à le changer parce que cette partie-là de vous, elle n'est pas du tout en lien avec vous. Elle est, fonctionne de manière indépendante. Et donc, je vous accompagne avec un outil. Bien, vous avez, je pense qu'il y a deux outils par rapport à ça, où vous allez pouvoir aller à la rencontre de cette part-là de vous pour pouvoir faire, en faire un allié d'une certaine manière. Parce que vous savez, ce que nos parents ont, bon, ça ne sert à rien de s'attarder tout le temps avec nos parents. Il faut faire la paix avec nos parents. Et notre travail à nous, c'est de devenir le parent pour notre enfant intérieur qu'il n'a pas eu. C'est ça le travail qu'on a à faire. Donc cet outil-là va vous aider à faire ce bout de chemin-là. Donc chaque fois qu'une partie de vous va pop, pop, va popper, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller travailler votre enfant intérieur. Très, très important. C'est magnifique. C'est un module dans lequel il y a une magnifique visualisation pour prendre contact avec ton bébé si tu es enceinte, pour amener à ton bébé un message que tu peux déterminer à l'avance. Tu peux tout préparer cette rencontre-là si tu veux dans le cahier. Il y a un module avec des outils, ton coffre à outils pour pouvoir avoir accès à plusieurs outils différents Ouais, qui. pour être en état de ressources. Oui. Hein? Beaucoup être en état de ressources vers l'atteinte de notre objectif de naissance. Oui. Voilà. Et il y a un outil, et il y a la visualisation pour donner naissance, évidemment. Et il y a la trousse d'urgence et la musique. C'est vrai, la musique pour la musique en fait vierge pour que tu puisses l'utiliser dans des moments où tu as besoin d'aller rechercher que ton inconscient ait accès à tout le potentiel que tu as développé à travers l'écoute des différents audios. C'est ça, exactement. C'est magnifique. Écoute, moi, je suis dans un petit chalet sur le bord du lac, puis je pense que je vais continuer. Comme je suis la seule personne au Québec qui a le droit de faire ton coffret présentement, je m'en C'est fais. vrai, c'est la seule personne. Oui, je vais mettre le lien. En fait, lundi ou plus tard, mais si jamais c'est disponible avant, je vais vous mettre le lien parce que bien évidemment, au bout de quelques jours, on va agrandir, on va publier pour dire que le coffret est disponible. Puis dans un monde idéal, j'aimerais ça que les 25 premières personnes soient des gens de notre gang. Fait que donc, je vais vous favoriser par rapport à ça. Merci beaucoup, beaucoup, Rosa, d'avoir pris le temps pour nous. Aujourd'hui, je suis vraiment touchée que tu aies pris ce temps-là, surtout que je sais que tu n'en as pas des tonnes. Je suis vraiment très, très reconnaissante par rapport à ça. Je t'embrasse très fort, puis je te dis à très, très bientôt, à la grande demande générale. Ben, ça va me faire plaisir d'être avec vous à nouveau. Merveilleux. Bye bye. Salut tout Bye le monde. bye. Bye. Bye.